On te voit, frérot. T'es con ou quoi? On te voit, pourquoi tu continues? Wesh les gars, c'est comment? Wesh les timals, c'est comment? Du coup, on se retrouve pour l'épisode 2, les gars. J'ai vu que les gars, l'épisode 1 vous a plutôt pas mal plu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode 2, hein? Pourquoi pas? Bref, les gars, je tenais à vous remercier parce qu'on est bientôt 1200 en même pas 2 semaines. Moi, je trouve ça incroyable, les gars. Peut-être pour vous, c'est pas incroyable, mais les gars, je vous rappelle juste un truc, on est sur YouTube, on n'est pas sur TikTok. C'est pas la même chose. Même sur TikTok, je les ai parlé 200 abonnés. Les gars, je tenais à vous remercier parce qu'on a dépassé un cap vraiment sur la dernière vidéo, les gars. On n'a pas fait 1000 vues. On n'a pas fait 2000 vues, les gars. On n'a pas fait 3000 vues, les gars. On a fait 40 vues. Bref, en tout cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve directement à la fin les gars. Salut. Donc les gars, je sais pas si vous en rappelez du coup de la dernière vidéo, mais on s'est quitté du coup en 2016. Bon, on va continuer tout simplement en 2016, hein, parce que j'ai pas tout montré. Bref, du coup les gars, est-ce que je vais réussir à faire les 10 pompes? On va voir ça, hein. En tout cas, on va compter ensemble, hein. Allez, comptons. 1, 2, 3, 7... Pourquoi il s'arrête? Oh bah il avait mal au poignet. En fait d'ailleurs j'avais pas du tout mal au poignet, hein, c'est faux, hein. C'était juste pour faire semblant genre oh, j'ai mal au poignet, c'est pour ça que j'ai fait que 7, non. C'est juste parce que j'y arrivais pas tout simplement. Allez, 8, 9, 10, 11, j'ai même fait oh, 12. Les gars, j'ai même fait un supplément, hein, c'est cool hein. Eh bah j'ai vu ça, hein. J'ai vu ça Wadabendo de l'époque, hein. Bon les gars, là on va voir un truc, hein. Est-ce que je suis capable de faire les 10 pompes aujourd'hui? On va voir ça les gars, let's go, on y va. Est-ce que je vais être capable de faire les 10 pompes? 1, 2, 3. Oh quel Renoir, ouais, quel Renoir BG les gars, il est incroyable, il est incroyable. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là, il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Quel homme charismatique les gars. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chaud. Je suis un putain de BG. Donc les gars, là on passe en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant en 2017? Est-ce que j'ai maigri en 2017? On va voir ça, hein. Là, là, les gars, là, 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 les gars, là, je disais que j'étais pas à mon prime en 2017, mais finalement, hein, cette photo me fait changer de discours, hein, moi, je vous le dis. J'étais à mon prime, hein, les gars, j'avais mes contours. Bruh. Je vais remettre ma casquette, les gars, parce que là, ça va pas. Mais pas ma casquette, parce que j'ai pas mes contours. Non, non, c'est une question de style, voilà, c'est tout, c'est une question de style, les gars. Qui dit année 2017, dit année du dab. Jugez pas ce que je vais faire dans quelques secondes, les gars. On arrive comme dab. Je pense que j'ai perdu quelques abonnés, là. Les gars, photo suivante. J'étais trop matrixé par le dab. Lors de la dernière vidéo, je vous disais que j'étais matrixé par le Watch Millenné, mais là, j'étais matrixé par le dab, les gars, je vous le dis. L'année 2017, je faisais que dabé. Ah ouais, je m'en rappelle aussi que j'avais fait cette coupe-là, les gars. Et là, j'étais grave pas à mon prime. Là, je vous le dis, j'étais grave pas à mon prime. Donc, les gars, je vais lancer un défi, les gars. Si vous arrivez à faire 20 likes sur cette vidéo-là, les gars, je vous refais cette coupe-là. C'est bon ou pas? Et les gars aussi en 2017, c'était mon année 3ème, ne me jugez pas, voilà j'ai fait mon stage à Otakos. J'ai fait mon stage à Otakos, voilà j'en ai bien profité, je vais pas vous mentir. J'aimais trop manger, donc les gars, je vais pas vous mentir qu'à chaque midi, je me tapais pas des tacos XL, je me tapais des tacos XXL. Et je rigolais pas par contre. Là les gars, on passe directement en 2018, hein. Que s'est-il passé en 2018? Là je trouve quand même que j'ai eu un level up quand même entre 2017 et 2018 les gars, je commence plus à se rapprocher de Wadabendo. Là on a Guadarasta Mibendo. Vous voyez? Là on commence à se rapprocher les gars. Même si j'avais pas mes contours, j'ai pas jugé sur les contours les gars. Je vous ai déjà montré. Finalement je vais pas parler des contours, voilà parce que. Hein. Dominique Soccer. Oh les gars, je suis choqué les gars. Donc là on voit mes toutes premières vidéos les gars. Je sais pas si vous en rendez compte les gars, on va voir mes toutes premières vidéos. Salut les gens, c'est Guadarasta. Aujourd'hui on se retrouve. Je vous jure, ça me donne envie de pleurer les gars, parce que c'est là en fait j'ai commencé YouTube réellement. C'est là que je me suis dit que je veux être YouTuber. Non. Non. Non, non, non. Par contre, les gars, j'ai 3 pings ou quoi? Non, mais les gars, hey, attends, je venais de me faire embarquer depuis un moment et je réagis 10 ans après. Non, mais c'est trop. Bref, en tout cas, cette vidéo, elle est très drôle. C'est très drôle de revoir des anciens clips de moi, du coup, les gars. C'est très, très drôle, je vous jure. Hey, les gars, je m'en rappelle qu'en cours de musique, on devait faire une musique. Et je me rappelle que j'avais une bonne note sur ça. Donc du coup on va écouter tout simplement le son que j'avais fait en 2017 les gars, tout simplement. Est-ce que le son est bien?
Bref les gars, en vrai de vrai, c'était pas si mauvais que ça, en vrai de vrai. Hein. Ça va, ça passe. Bref, du coup, les gars, aussi, je faisais des vidéos sur Crazy Joke, du coup. On va voir si elles étaient drôles. Hein. J'étais petit, hein, ne jugez pas. Konnichiwa. En fait, les gars, c'est pas que c'est drôle, mais c'est tellement pas drôle, les gars, que ça m'a fait rire. Ah non, les gars, c'était pas mal, c'était pas mal, c'était pas mal. Oh les gars, première vidéo vlog France-Russie. On va voir, regardez, regardez, on va voir. Oh, premier générique, les gars. Ne rigolez pas, tout simplement, les gars, parce que voilà, ça pourrait être vous. Je vais pas juger tout simplement parce que aujourd'hui je suis pareil hein. Je vous jure, je vais au Parc des Princes les gars, je suis pareil. Moi les gars, moi je suis supporter hein. Moi je suis supporter les gars, quand je regarde un match, moi je suis pas là à m'asseoir. Non 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 les gars, c'est pas comme ça. Quand tu vas supporter ton équipe les gars, tu t'es obligé de chanter, t'es obligé de vibrer tout simplement les gars, c'est comme ça en fait. Tu peux pas regarder un match de foot en t'asseyant et en regardant juste un match, non les gars, sinon tu vas regarder le match de ta ville. C'est tout, et non. Je sais que tu es là, je sais que tu es là. De l'équipe d'Italie, un peu moins. Mais bon, il est bon. Il est bon, frérot. Il est bon, frérot. Vous avez vu? Je l'ai dit à l'époque. Hein. Là, il y a hors-jeu, voilà. Là, si tu veux l'arbitre de touche, je te prête mes lunettes. Hein. Je voudrais lancer une minute de silence pour l'arbitre, quand même, après cette punchline. Moi, quand tu vois, ça va toujours. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si t'as kiffé. A plus. Comme je vous avais dit en 2015, du coup j'avais un compte Guadarasta et du coup ben j'ai eu un long moment d'inactivité et du coup ben après j'ai décidé de reprendre ma chaîne YouTube en main et du coup ben regardez ma bande annonce les gars, regardez ma bande annonce, regardez du coup les gars ma tête là. Non, mais les gars j'étais trop heureux de faire des vidéos, je vous jure, même aujourd'hui je suis trop heureux de vous proposer des vidéos, du contenu, etc. Mais quand je jouais etc, c'était fou les gars, j'étais vraiment content comme ça. Bref, du coup, les gars, c'est fini pour cette vidéo. Voilà, j'espère que cet épisode 2 vous a plus plu que l'épisode 1. Moi, personnellement, oui, parce qu'il y a eu plus d'émotions. Parce que du coup, ben, j'étais pas prêt à voir tout ça. En fait, moi, je pensais les avoir supprimés à vie. Et en fait, pas du tout. Mon père les avait gardés. Donc, du coup, le fait de revoir ça aujourd'hui, c'est kiffant. Surtout qu'il y a un contraste énorme entre aujourd'hui et avant, les gars. Avant, j'espérais réussir sur YouTube avec peu de moyens. Bien évidemment, j'ai pas réussi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Du coup, bah, j'ai décidé de reprendre cette année et du coup, ça me fait plaisir, les gars. Surtout que là, on est beaucoup plus nombreux qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, on n'était pas nombreux du tout, on était 3 abonnés. C'était généralement les gens de ma famille. Ça fait plaisir de voir qu'on est bientôt 1200. Donc, du coup, les gars, on va pas s'arrêter, on va continuer comme ça. On va réaliser tout simplement ce rêve de gosse de réussir sur YouTube. Et les gars, on va le faire ensemble, tout simplement, on va le faire ensemble. Du coup, les gars. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo et ce que vous faites. Bref, salut les Timales.